question que tu confonds être dans l'agitation et être dans l'action. Ouais, y'a rien à faire ou bien tu ne fais rien. Tu changes pas ta façon de faire et t'espères que ça change, hein. Yes, sur le tournage de mon clip Mantra, je suis avec mon frérot de longue date, Mika Saïdi, la femme. Yeah, man. Ça m'a fait tellement plaisir que tu vois, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Merci d'avoir accepté. C'est normal, moi je crois que c'est normal. Et frère, moi je t'ai appelé pour ce clip là parce que comme toi et moi il n'y avait pas des excuses. Je trouve que tu m'incarnes. Mais moi je trouve que tu m'incarnes depuis avant ton accident. Je pense que tu avant. On a eu le temps de faire de se croiser sur des projets. On a eu le temps de nous appeler en tout cas Wendy. On a eu le temps de faire des scènes ensemble si je me rappelle bien. Et depuis cette époque là, bah moi aussi en bougre en mode. Toi les moi, il n'y a pas des excuses. Je dis encore plus pour son inspiration. Bon, moi, à ce côté, on n'y a aucun lutter, on n'y a aucun continuer à rêver, on n'y a aucun continuer à construire. Et moi, je dis bien, mais que au bas, moi, ou qui ressenti ou le, donc, a dit, donne-toi les moi, il n'y a pas des excuses. Qu'est-ce que ça, ça lui dit? Bon, ben, moi, il m'arrive ce grave accident, comme tu sais. Bien, moi. Et à un moment, sur mon lit d'hôpital, j'avais déjà compris. En fait, j'ai eu à comprendre que les autres ne contrôlaient pas, ils ne pouvaient pas gérer ma situation à ma place. Et même s'ils voulaient faire quelque chose de bien, ils allaient toujours faire quelque chose selon leurs moyens, mais ils n'ont pas gens à la place où. C'est ça. Donc les gens, des fois, ils peuvent t'aider, mais ils peuvent t'aider maladroitement. Et la personne productive. Voilà. Et la meilleure personne qui peut faire quelque chose pour toi, vraiment, c'est toi-même. Et j'ai dû prendre des choix douloureux, des choix durs, parce qu'il y avait des réflexions aussi qui me venaient. Et puis voilà, j'ai fait mes choix de me battre, j'ai fait mes choix même à l'encontre de tout le monde, hein, ne pas être compris par d'autres, c'est pas grave, j'ai fait. Et donc, c'est aussi ça, à mon sens, le côté se donner les moyens, c'est des moyens en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, donc de ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et comme tu dis, les moyens que moi, je vais mettre en œuvre, ils sont en adéquation avec ce qui est en dedans de moi, mais pas forcément avec mon entourage, tu vois. Exactement. Ce que je veux dire. Et c'est ce message-là que moi j'essaye d'envoyer avec cette chanson, de pouvoir dire, bon, je vais donner les moyens, pas des excuses, mais il faut déjà définir ce que toi tu veux. Il y a un truc que moi j'ai remarqué. La plupart des artistes qui réussissent, comme toi, tu vois, sont souvent seuls. Et ça, on ne voit pas ce côté-là. Ils sont souvent seuls parce qu'ils doivent trouver ils doivent être inspirés. Ils doivent croire en leur produit, ils doivent faire des fois des choses qui ne sont pas semblables à d'autres et ils doivent être uniques. Et tu as conservé ça. Ouais. Et tu remarqueras que, et tu seras d'accord avec moi, que les gens ils voient cette partie où il y a la lumière, mais ils ne voient pas toute la partie iceberg qui est au fond, tu vois. Et les coulisses de l'échec. Et tu connais ces coulisses-là, ils ne savent pas le nombre de fois où tu as pu entendre non, le nombre de fois où tu as pu être. En opposition même avec toi-même, hein, et tu te remets en question et te dis waouh, malgré le foie, ou vous connaissez ça, différents excuses justement voilà. Pour payer back. Et tu aurais pu dire bon, ben écoute, là non, je laisse parce que bon, ben voilà, j'ai plus envie, mais non, mais en fait, au fond de toi, tu sais qu'il y a cet amour qui te dit ne lâche pas parce que toi-même tu vis quelque chose, c'est ton bonheur, hein, et ne lâche, voilà, et tu as envie de vivre ça. Donc, il y a des gens qui font des choses pour l'argent. Il y en a qui vont faire pour être connus. Succès d'estime. Voilà. Et puis, il y en a qui vont faire quelque chose juste pour le faire. Mais il y a les vrais battants comme toi qui vont faire les choses par l'amour. Tu sais, le véritable amour. Tu fais un choix de faire quelque chose parce que tu aimes ça. Pas parce qu'il y a. C'est la tendance. Voilà, parce exactement. Qu'on t'a dit de le faire. Mais c'est ce qui fait ton authenticité. Ouais, j'avoue. Tu remarques bien, dans toutes tes musiques et tout ce qu'on entend, c'est toujours des textes conscients qui amènent à réfléchir, à faire des trucs. Regarde bien. Tu vas me dire, bon, mais écoute, Easy, si moi je ne t'attends pas dans le salle, par exemple. Ouais. Je ne t'attendrai pas par là parce que, en fait, je ne pourrai jamais te voir dans cette catégorie-là. Mais justement, pour rester sous ce chemin, parce que moi je sais que, comme je dis, pour rester sous le chemin de mon cœur, je lutte quand même contre cette envie de faire un petit son bam bam, un petit son chata. Et de manière globale, comment toi tu traverses, c'est du désir, si on peut appeler ça comme non, ça. Non, mais je crois que toi, si tu le fais, tu le feras, mais tu le feras réfléchi et amusant. Ouais. Voilà. Donc tu seras toujours dans ta couleur. Il y a une couleur caribéenne qui est très belle, tu vois, et ça c'est toi. Me concernant, c'est cette volonté de partager. Je ne suis pas là pour moi, je ne suis pas resté là et j'ai vécu un accident pour moi. Ouais. Donc c'est cette volonté de partager avec les autres, leur montrer que... Leur amener... Voilà, l'emmener sous une réflexion en disant, tu sais quoi, ce que tu fais là aujourd'hui va déterminer plein de choses par la suite.
Et il y a d'autres petits frères qui arrivent, il y a des sœurs qui arrivent, il y a du monde autour de toi, tu n'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et si chacun de nous, nous mettons quelque chose en commun pour se dire, voilà, je viens pour donner quelque chose, tout le monde reçoit. Donc je crois en ça, tu vois, donc j'amène quelque chose. Tu vois, quand tu m'as appelé, j'ai répondu, oui mon frère, il n'y a pas de problème, boudoum. Merci pour ça. Mais tu sais, nous, c'est toi, ouais. T'as compris. Nous, on est là, ouais, là depuis longtemps. Donc, automatiquement, dès que tu as ce cœur-là, dès que tu as compris le fond du message, moi, je n'ai pas besoin de 10 000 choses, j'ai compris le fond. C'est l'intention, voilà. Le départ, là, le fond. Le fond est là, et bien automatiquement, oui, je vais investir dans quelque chose comme ça, automatiquement. Eh bien, frère, le merci fond. En tout cas, frère. Merci parce que... C'est toi, la force, c'est à toi que merci pour le travail que tu fais au quotidien. Fais le fond. En tout cas, je parle à mon niveau, ça m'inspire, ça va me motiver, moi. Et comme c'est ce que j'espère faire aussi avec le travail que je fais, pour moi, on est dans... On tu le fais déjà. C'est qu'en fait, tu sais, tu le fais déjà. Et je crois que c'est dommage à dire. Hein, les gens se rendent compte de ce qu'ils ont quand ils n'ont plus. Continue. Alors peut-être que tu vivras ta victoire à ta mort. Comme avant. Papa comme Mona. Comme beaucoup. Voilà, yes. Tu as vu. Non, mais Papa ça, Mona, tout. C'est à la fin. Tu veux qu'on ne l'a plus, qu'on dit ah mince, ben ouais, il était bon. Et c'était ce message qui fait nous passer. Donc le message nous survit. Lâche. Respect. Hey yo, donne-toi les moyens et pas des excuses. Donne-toi les moyens et pas des excuses. Je sais que dans ta tête y'a des idées qui fusent, mais donne-toi les moyens et pas des excuses. Come on!